le porte-parole. Il est là devant le représentant. Très bien. Mais tout le monde écoute. Pour qu'on s'écoute et que vous obteniez les réponses que vous souhaitez. D'accord ? Monsieur le porte-parole, moi on se présente l'établissement, la classe et puis on enchaîne. Je suis élève en terminale D au lycée Aubin Georges Moutier. Alors, moi et mes camarades ici, nous avons pris l'initiative de quitter notre établissement ce matin parce que nous avons constaté en fait un comportement assez vraiment désagréable du côté en fait de la SCG. Parce que depuis un certain temps, nous avons vraiment des coupures vraiment répétitives dans nos maisons. Et cela, on a de l'habitude de dire, monsieur, que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Mais comment construire l'avenir de demain si déjà à présent, nous ne travaillons pas, nous n'apprenons pas dans de bonnes conditions? Pas plus tard qu'hier, pour ma part, j'ai étudié avec la bougie, monsieur. Et on ne peut pas repasser les tenues parce qu'il nous manque l'électricité. Parfois, on n'arrive même pas à se laver parce que le plus souvent, lorsqu'il coupe l'électricité, il coupe aussi de l'eau, monsieur. Donc, quand nous avons observé cela, on ne pouvait plus continuer à travailler, à étudier dans ce genre de conditions. C'est pourquoi mes camarades et moi avons pris l'initiative de venir vous voir parce que c'est vous le responsable, disons, de tout l'embarras. Pourquoi nous sommes venus vous voir, monsieur. Très bien, je vous ai compris. Déjà, je ne voudrais pas que ce genre de mouvement se multiplie. Si vous avez réfléchi, vous avez pris l'initiative de venir, c'est que vous êtes suffisamment intelligent et raisonnable pour comprendre ce qui se passe. Je vais d'abord laisser le soin au directeur provincial de la SCG de vous expliquer ce qui se passe. Et j'espère que vous serez suffisamment attentif et attentive pour comprendre. Parce que quand on est en terminale D, peut-être que demain on sera le directeur de la SCG. Vous devez bien écouter ce qui se dit. Ce qui va vous dire, certains d'entre vous l'ont déjà appris en cours. Donc, ce qui va dire ne vous sera pas étranger. Ok ? Du moins pour certains. Vous avez constaté des coupures. S'il y a coupures comme de l'estage que nous vivons aujourd'hui, c'est que nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes depuis le 8 octobre. Hein? Du 8 octobre jusqu'au week-end écoulé, nous avons perdu deux machines. Nous avons perdu deux machines à la centrale. Ce sont ces machines-là qui produisent le courant. La demande pour alimenter tout l'Embarrainé, sans délestage en eau, sans délestage en électricité, il nous faut 5000 kWh, donc 5 mégas. Avec les deux groupes que j'ai perdus, je ne peux plus avoir 5000. Je suis limité à 2800, 3000. Mais comment contenter 5000 alors que j'ai 3000? Je vais essayer. À fonction de priorité, donner là-bas, donner là-bas, donner là-bas. Et ce mécanisme-là, on appelle ça le délestage. On appelle ça le délestage parce que je ne peux plus répondre à la demande de la ville. Parce que je suis en déficit à la suite de la perte de deux groupes. Alors, devant cette situation, est-ce qu'elle va perdurer? Quelles sont les actions que la SEG a engagées pour permettre à ce que nous puissions sortir de ce calvaire, de cette situation assez difficile? Alors, jusqu'à hier, nous avons pu avoir, grâce à l'implication de la direction générale et des autres autorités, un groupe de secours qui est arrivé hier en début de matinée. Il est actuellement en installation. Il va nous apporter quelque chose pour tenter de soulager les délestages. L'autre point, c'est l'arrivée d'un groupe neuf qui est là depuis un mois, qui est en cours d'installation. Je pense qu'avec le groupe neuf qui est en cours d'installation et le groupe de secours qui est arrivé hier, nous allons faire tout pour que les délais soient considérablement réduits afin de retrouver une sérénité au niveau de la desserte. Donc,
comprenez que ce n'est pas de gaieté de cœur. La SEG par ma voix, hein, la SEG par ma voix vous présente à tous, hein, et à toutes vraiment nos excuses pour les désagréments occasionnés à la suite de cette qualité de service que nous mettons à votre disposition. Nous sommes en mode au dernier mois du trimestre. Jusqu'au 15 scolaire était fixé à l'arrêt de note le 1er décembre. Maintenant, nous, maintenant, on veut maintenant vraiment se rassurer si vraiment ce que vous dites sera vraiment réalisé d'ici telle semaine, parce qu'il va nous rester 2 semaines de cours pour boucler le trimestre. Nous voulons vraiment savoir si c'est vraiment rassurant ce que vous nous dites. Maintenant, si ce n'est pas rassurant, nous, comment nous allons faire, nous les élèves? L'information que je vous donne, là présentement, elle est fiable. Soyez-en rassurés. D'hier à aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Imaginez-vous que pendant que la SEG trouve des solutions pour tenter de soulager les populations, ce sont ces mêmes populations qui disent non, on ne veut pas. Parce que le groupe qui est parti de Libreville, le groupe de secours qui est parti depuis avant-hier de Libreville, était censé arriver dans la même nuit et les équipes devaient commencer l'intervention au petit matin. Le groupe a été arrêté par des barricades. On voit bien que c'est le groupe qui vient pour soulager. On dit non, on barricade le groupe, on barricade la voie. Le groupe est arrivé à la centrale à 15h, 16h. Le temps de raccorder, etc. Ça nous a pris du temps. On est parti de la centrale hier à 23h. Depuis 7h du matin, les équipes sont là-bas en train de travailler. C'est un groupe de secours. Il vient soulager. Donc nous avons deux groupes. Un groupe de secours et un nouveau groupe. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour pouvoir sortir le plus tôt, le plus tôt, le plus tôt. Soyez-en rassurés. S'il y a un souci à cela, je vous l'aurais dit, hein, on est conscient que nous sommes en train de nous acheminer vers le terme du trimestre. Il y a beaucoup de choses, hein, il y a les fêtes qui arrivent. Donc, on ne va pas travailler seulement pour la fin du trimestre, mais on mesure aussi, hein, on mesure aussi l'ampleur, parce que passer les fêtes dans le noir, c'est pas agréable. Donc, il y a tous ces paramètres qui sont pris en compte pour fiabiliser la continuité de service. Rassurez-vous, ce sera fait. Je pense que si un message était véhiculé au préalable, bien avant, tout ça ne devait pas exister. Ce que je reviens à dire, peut-être que vous avez véhiculé un message, mais ça n'a pas été véhiculé comme il se doit. De mon point de vue, on dit dans l'univers de nos sociétés, ici au Gabon notamment, que le client est roi et que les sociétés dépendent de lui et non le contraire. Ce que je reviens à dire, qu'on doit respecter les clients, on doit respecter également la population. Pour qu'on puisse continuer à consommer nos produits, on doit faire du bon rendu auprès de la population et également communiquer avec la population de temps à autre quand il y a des défaillances comme ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Je pense que si vous aurez dit à la population, vous aurez pris par exemple le cas d'Airtel ou encore Libertis, vous êtes passé par cette société pour dire voilà, on va faire véhiculer un message général aux populations. Je pense que tout ça ne devait pas exister parce que la population devait comprendre que la SEG vit telle situation. Là n'est pas le, au fait, là n'est pas, le problème n'est pas à leur niveau, mais le problème est au niveau des machines que nous avons. Donc si tout ça arrive, les véhicules qui ont été pris en otage et autres, c'est parce que tout simplement la population n'était pas informée dans les séances de travail. Ne pensez pas que ce soit l'autorité, que ce soit les agents de force de l'ordre, que ce soit la SEG, on ne fait rien. On est tous préoccupés par la situation, d'accord? Et dans les mécanismes de communication à améliorer, cette proposition a été faite par l'autorité de pouvoir contacter les maisons de téléphonie mobile pour qu'il y ait un partenariat de communication. Mais à la base, nous avons pris le temps au niveau de radio, depuis le 8, et communiquer passe en boucle depuis le 8. 1, 2, les maires d'arrondissement. Les maires d'arrondissement sont tous informés de la situation. 3, chaque semaine, nous publions et nous mettons à la disposition de ces derniers des communiqués de stages. C'est mis à leur disposition. 5, nous affichons dans les zones denses justement ces programmes de délestage. Et quand on parle de programme de délestage, on explique la cause du délestage à l'entame du courrier. Donc, si vous partez à Isaac, si vous partez dans les stations, vous verrez qu'il y a bien des affiches. Maintenant, on n'est pas limité à cela. On a glané une autre option. En plus, c'est de pouvoir voir la possibilité d'envoyer les messages à nos clients dans la ville de Lambaréné
pour signaler un incident, quelqu'un peut bien passer une information. Ça, c'est pris en compte et c'est déjà en cours. En venant, vous avez chanté l'hymne national. Il y a quelques années, qui chantait encore l'hymne national? Personne. Ça a été remis au goût du jour pour rappeler un certain civisme, n'est-ce pas? Donc, de la même façon, nous progressons vers la restitution d'un certain nombre de choses, y compris nos installations. Donc vous êtes bien placé pour le comprendre. Et René, les questions de communication, c'est très important. La SEG en a désormais conscience et ils vont améliorer leur communication pour que l'information parvienne là où elle doit parvenir. Mais de grâce, regagnez les cours et nous veillons à ce que la situation se résolve.